Et ensuite, il y en a un autre là. Doucement. Mistios, des légumes frais pour ton voyage. Les plus appétissants de Kefalonia. Je ne suis pas vraiment à la recherche de légumes. Personne n'en veut. Et nos marchandises se gâtent. Nous essayons de gagner assez d'argent pour quitter Kefalonia. Histoire d'aller voir ailleurs. Je vous comprends. Attends voir. Creosa, tu penses qu'elle pourrait nous aider? C'est possible. Il va d'abord falloir me dire de quoi il s'agit. Est-ce que tu as peur des requins, Mistios? Il n'y a rien qui me fasse peur. Eh bien, je t'envie. Parce que nous, un requin nous empêche de quitter Kefalonia. Un requin? Cette bête garde un collier de valeur. En le vendant, nous pourrions partir de Kefalonia. Le vieux bandit qu'il avait trouvé, il l'a enterré au bord de l'eau, près d'un temple. Mais entre-temps, le niveau de l'eau est monté. Et maintenant, c'est comme si le collier appartenait au requin. Vendre des légumes, c'est bien, mais un collier, c'est mieux. Je sais combien on peut vouloir quitter Kefalonia. Eh oui, nous n'avons rien ici. Des légumes jusqu'à plus soif, mais aucun espoir. Il est enfermé dans un coffre. Si tu le rapportes, nous prendrons ce qu'il nous faut pour partir et nous te laisserons le reste. Ce n'est pas ce collier, par hasard ? Je l'ai trouvé dans les ruines de Cranoï. C'est lui, le collier de Procris. On peut enfin partir. Fini les légumes. On va avoir une nouvelle vie, loin de ce passé misérable. Je suis passé par là. Bonne chance. Bon, ben voilà, ça a été rapide. Allez, allez. Par contre, ça j'ai fait, mais ça j'ai pas fait. Voilà. Avance. Ça, c'est du vol. Oh.
Mieux vaut rester caché. Ça a l'air humain. Mieux vaut aller voir. Bienvenue. C'est tout? Alors, au revoir. Thank you.
Bonjour. Est-ce que je peux améliorer quelque chose? À une autre fois. Attends, est-ce que c'est des trucs intéressants à acheter? À très bientôt. Voilà. Bon. Alors, prêt à dire adieu à cette vie? Allons-y. Prépare ton navire. Il est temps de partir. Bien! Il ne faut jamais faire attendre la mer. Allons-y. Alors, où est-ce qu'on va? Vers quel endroit de ce vaste et splendide monde veut aller la puissante Cassandra? Mégaris. Mégaris. Mais c'est la guerre là-bas. On m'a chargé de tuer un général. Oh, lequel? On l'appelle le loup. Le loup? On veut tuer Nikolaos de Sparte? Nikolaos de Sparte? L'oracle a parlé! Pour éviter la chute de Sparte, cet enfant doit périr! Tu dois empêcher ça! Pitié, il ne fera aucun mal. Il nous aidera. Il nous guidera. Silence! Déshonneur! La vie qu'elle a ôtée, ce n'est pas une spartiate, Nikolaos! Ne l'écoute pas! Nikolaos! Ne l'écoute pas! Non! Oh, oh non! Ne l'écoute pas!
Nikolaos, regarde-moi. Regarde-moi, Nikolaos. Non. Ne lui fais pas de mal. Ta lignée est souillée. Débarrasse-toi de ce poison. Père. Emmène-moi en Mégaris. Vite. Je ne comprends pas. De tous les lieux baignés par Helios, pourquoi risquer notre peau là-bas? Le loup de Sparte est mon père. Rien ne vaut une bonne brise. On a toujours l'impression que le pont bouge comme ça. Je connais le moyen idéal pour que tu attrapes le pied marin. Ah, oh, et qu'est-ce que c'est? Une bonne nouvelle. Pendant que le Cyclope s'occupait de moi, ces pirates ont volé ma cargaison. Mais maintenant, je connais leur navire et je sais où ils vont. On va leur reprendre tout ça? D'accord. Ce sera l'occasion de savoir ce que valent ton navire et ton équipage. Allez, mettons-nous en route. En tant que voyant. Rejoignons le large. Quelque chose flotte là-bas. On peut le remonter. Plus de rame. Ouh. Il y a des dauphins. Quelque chose dans l'eau. On le repêche pas. Marchez ! Prêt ! Ils vont voir de quoi nous sommes capables. C'est une volée enflammée. Par les courses de poser le temps, c'est la guerre. J'ai perdu plusieurs ponts marins lors du combat contre ces pirates. Les mers sont plus dangereuses. Maintenant, qu'Athènes et Sparte sont à couteau tiré. Il nous faut des recrues pour renforcer l'équipage.
Je sais par où commencer. Le meilleur archer que je connaisse. Il nous serait très utile. Et on peut le rencontrer ? Eh bien, il va falloir que tu le persuades. Qu'est-ce que tu veux dire ? Fais-le monter à bord, et moi je lui parlerai. Quelques drachmes me faciliteront les choses. Donc si j'ai bien compris, il faut que je la somme. Non, non. Enfin, peut-être l'amadouer un peu. Ensuite, tu l'amènes à bord afin qu'on puisse discuter. Tout se passera bien, je t'assure. Oh, c'est bien ça. N'était pas inquiet. Il n'aurait pas pu couler la Tristia. Préparez vos avirons. Voilà l'île. Oui, c'est nerveux. Je devrais envoyer Icaros reconnaître les lieux. Il repérera ma cible. Voilà ma cible. Toi.
Recrutement de lieutenant. Recruter des gens pour faire des lieutenants à bord de votre navire. Utiliser des dégâts et aptitudes perte de conscience pour calmer un ennemi avant de lui demander de rejoindre votre équipage. J'offre la liberté et de l'argent à tout mon équipage. Toi y compris. Ce sera une bonne recrue pour l'équipage. Affectation de lieutenant. Pour profiter du avantage, engagez et affectez des lieutenants à votre navire. Une fois affectés, les lieutenants se joindront également à votre équipage d'abordage. Lorsque vous n'êtes pas à bord de la Tricia, appelez-les afin de combattre. Voilà. Non. Comment il s'appelle lui? Femius. Voilà. Bien, cet homme fera une recrue de choix. Est-ce que ça suffira? Ne t'en fais pas. Nous aurons des tas d'occasions de recruter des gens par la suite. Quelque chose me dit qu'on va en avoir besoin. Nous devrions voguer vers Megaris. Une longue traversée peut être agréable, mais les nôtres sont parfois agités. Si tu veux un peu d'animation, mon tableau d'affichage est là-bas. J'y note tout ce qui peut être intéressant. Pour un capitaine audacieux. On va faire celui-là. Ces débris. Préparez vos armes. Lancez, volez. Leur navire se remplit d'eau. Chasseur de primes.
Les dieux sont avec nous aujourd'hui, Cassandra. La mer est calme et le vent est chaud. C'est splendide. Oui, ma belle. Tu peux le dire. La guerre a transformé le monde grec. On n'a pas affaire à des Spartiates ou des Athéniens. Ce sont des bandits et des pirates. Et Dieu nous garde de toute l'humanité. Ah ! Tu vois cette île ? Les Athéniens, ils sont bloqués l'entrée de la baie. Préparez vos flèches. Préparez-vous à tirer. Vous, au poste de combat. Tirez vos flèches. Ils sont coincés. Archers, soyez prêts à tirer. Il y aura d'autres batailles. Mais la Trestia est un navire. Plus de vitesse. D'après ce que je sais, c'est en Mégaris que se bat le plus important. Les Spartiates préparent un assaut final afin de chasser les Athéniens de la région. Ça fait du bien d'être en eau calme. Prisonnier.
Voyez ! Comme ce chien athénien de Périclès vous craint ! Il reste terré dans son Parthénon, entouré de dramaturges et de sophistes. Il n'ose pas vous affronter avec honneur sur le champ de bataille. Il connaît votre force. Il sait que les jours d'Athènes en Mégaris sont comptés. Et il sait que le tour d'Athènes approche. Toi, tu as vaincu le blocus athénien ? Ils étaient sur ma route. Sparte te remercie. Tyché t'a béni, jeune fille. Tu es arrivée à temps pour voir mon père remporter une grande victoire. Si Nikolaos est ton père, je crois que ça fait de toi mon frère. Tu as pris un coup sur la tête pendant le combat ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Le loup est mon père, autant que le tien. Grotesque. Avant de m'adopter, il avait deux enfants. Et tous les deux sont morts à Sparte, il y a des années. À l'exception de celle qui se tient devant toi. Tu as failli m'avoir. Je ne suis pas né d'hier, Mystios. Restons-en à la raison de ta présence ici. Que vient faire une mercenaire dans une guerre pour laquelle on ne l'a pas engagée ? Dis-moi la véritable raison de ta présence ici. Je n'ai pas de temps à perdre. Je suis là pour voir le loup de Sparte. On ne rencontre pas Nikolaos comme ça. Il est à la tête de toute l'armée spartiate. Si tu as vraiment fait tout ce chemin pour le voir, ta déception sera grande. C'est vraiment toi qui commandes ici. Tu ne ressembles pas vraiment à un spartiate. Je ferais mieux d'aller voir Nikolaos. L'humour n'est pas une qualité indispensable chez les gens comme toi. Mais si tu cherches à alourdir ta bourse, j'ai toujours de la place pour de bons mercenaires. La flotte a été détruite. Mais Mégaris demeure entre les mains d'Athènes, avant de livrer bataille à l'ennemi et de le renvoyer chez lui. Nous devons l'affaiblir. Ton père, qui est-il au juste ? Nikolaos, le loup de Sparte. Mes capacités l'ont impressionné quand j'étais enfant. Il m'a pris sous son aile. Il m'a formé lui-même. Et plus tard, il m'a adopté. C'est mon père et mon mentor. Je veux qu'il soit fier de moi. Assurément, les Mystios ont dû entendre parler de lui. Seulement des rumeurs. Je doute qu'elles lui rendent justice. C'est un grand guerrier, un général meilleur encore. Je le suivrai jusqu'au royaume d'Hadès. Comment se déroule cette guerre ? Le blocus athénien était une tentative désespérée d'arrêter notre avancée en Mégaris. Désormais, nous pouvons nous préparer à les chasser de cette région. Nos éclaireurs recherchent des cibles majeures en vue de l'assaut à venir. Sous les ordres du loup, nous ne pouvons pas perdre. Pourquoi as-tu besoin d'une mercenaire pour une telle mission ? Tu n'as pas l'air de manquer de soldats. Ce n'est pas une question de troupes. Les habitants sont nos alliés. Nous ne voulons pas engager de soldats sans être certains de remporter la victoire. Mes éclaireurs sont à la recherche de cibles majeures à attaquer. Tu me payes, je t'aide. Si tu me payes, je t'aiderai à chasser les Athéniens de Mégaris. Les mercenaires. Tu n'as ni honneur, ni sens du devoir. Mais je préfère te savoir avec nous que chez l'ennemi. Les Athéniens ont déjà un mercenaire à leur service. Ils n'ont pas besoin d'aide. Si nous parvenons à attirer le chef athénien et à le tuer, nous écraserons ses forces sur le champ de bataille et les renverrons à Athènes. Détruisons son ravitaillement. Volons son trésor de guerre. Éliminons ses meilleures troupes. Et il sera vulnérable. Prends ceci, et montre-le à mes éclaireurs. Si tu les vois sur le champ de bataille, demande-leur ce qu'ils ont trouvé. Ils risquent aussi d'avoir besoin de tes talents.
Où est le chef des Athéniens? Il est à Mégara, où il se cache derrière des murailles de pierre, entouré de soldats. Mais si tu élimines ses troupes, détruis son ravitaillement et voles ses richesses, il sera vulnérable. Quel ravitaillement faut-il détruire? Tout ce qui est utile aux Athéniens. Cherche des caisses d'approvisionnement et d'armes. Tu peux commencer par le port de Nisaya, dans la vallée du roi Lélex. C'est là qu'arrive leur ravitaillement dans la région. Ce coffre que je dois voler, pourquoi est-il si important? Une armée, ce sont des hommes qu'il faut payer. Sans argent, ils perdront l'envie de mourir pour les ambitions de leur chef. Les Athéniens conservent leur trésor sous bonne garde, dans un fort au pied des monts Géranéa. Je crois savoir ce que je dois faire. Rappelle-toi que chaque soldat athénien que tu tueras nous rapprochera de la victoire. Et une fois que j'aurai mis les Athéniens à genoux pour Sparte, je rencontrerai Nikolaos, où je m'occuperai de toi. Bien. Envoie tous ces chiens et sophistes d'Athènes au royaume d'Hadès. Triomphe, Mystios, et le loup veillera personnellement à ta récompense. Conquête de nation pour rencontrer votre père Nikolaos et les Stentor à conquérir Mégaris. Pour ce faire, vous devez suffisamment réduire la puissance nationale de Mégaris pour déclencher la bataille de conquête. Puissance nationale. Le moyen le plus efficace de réduire la puissance nationale consiste à tuer le dirigeant de nation. Il est accessible en permanence, mais il est bien défendu tant que la puissance nationale est élevée. Il est possible de réduire la puissance nationale et d'affaiblir la défense en tuant des soldats, en brûlant des ravitaillements de guerre et en pillant le public national. Question de prime. Un commanditaire a placé une prime sur vous en raison de votre illicite meurtre d'habitants, de soldats, vol, attaque, navire, de guerre. Pour faire disparaître la prime, utilisez l'action payer toutes les primes sur la carte. Payez chaque commanditaire, tuez les commanditaires, restez discret. Ok. Si je veux approcher du loup, je vais devoir aider Stentor à vaincre les Athéniens. Bon, ne perdons pas de temps. Il est stylé, lui, avec ses deux couettes sur la tête. Baston ? Baston ! Baston ! Pourquoi refuser ? Non, c'est pas là. Niveau 7, bon, c'est faisable. Ça ne me pose pas de 4 contre. Tiens, bouffe. Ah, putain. Ah!
Quelqu'un est prêt à payer beaucoup. Lui, il est niveau 9, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, on tente pour être sûr qu'il est bien mort. Ma carrière se dérisole. Attends. On va aller d'abord se débarrasser de lui. C'est parti. Estimias mos mi piómenos y la colonia.
Ils ont filé des trucs intéressants. Voilà ce que je cherche. Le lieu sera bien défendu. Le fort de Geraneia est redoutable. C'est sûrement là que les Athéniens gardent leur trésor de guerre. Icaros peut m'aider à trouver ce que je cherche. J'ai vu un ours, ça serait bien qu'il foute le bordel. Voilà. Malak, tu vois le ciel pour la dernière fois. Allez, nounours, t'en as un juste à côté de toi, là. Un peu zéro nounours, hein. Oh,
Ouais, c'est un peu fait zigouiller aussi. Allez, viens par là. C'est très bien. Ah, tu m'as pas vu. Ça, c'est curieux. D'avoir vu quelque chose. Vas-y, il est dans le coin, il est dans le coin. La mort a été rapide. Probablement un épisode. Elle ne s'enfuira pas. La crève. Elle espère m'échapper, elle rêve. Allez, bouge. Vite, il y en a un qui arrive. Ah.
Je dois m'emparer du trésor et repartir discrètement. Les soldats athéniens auront moins envie de se battre si on ne l'était pas. Ça. Il me manque un trésor. On me manque toujours un trésor. Thank you.
Ça, ça peut être très utile. Voilà. On m'attaquera sans poser de questions. Ah, on peut améliorer. Dégâts des armes, durant de l'équipage. Ça, j'améliore.